Ikhwani, ça serait bien qu'on fasse une minute de silence à la mémoire de nos martyrs et surtout une minute de silence pour le jeune Ramzi qui a été, qui est décédé vendredi. Comment ? Il est décédé. Voilà. Donc, c'est pour lui rendre hommage et lui dire on est tous Ramzi. On est tous Ramzi à République et on vous soutient. On soutient tous nos jeunes Algériens et tous ceux qui sont morts pour la patrie. Et Ramzi est un shahid. Alors, une minute de silence, s'il vous plaît. Alors, 1, 2 et 3. J'ai pas l'heure. C'est bon ? C'est bon. Merci. Merci, Mohandi. Rappelez à la table de mixage. Voilà, on n'a pas envie d'avoir peur. Ça va être la catastrophe, ça va être la catastrophe. Et voilà, un souci, un RSA, et on a des chapeaux de Marwa. Donc elle n'est pas là. Mouloud T. Alors je suppose qu'ils sont ensemble. Hein. Non, la T et Mouloud T. Mohamed Bouzid.
Salam alaikum, Azul Flawen, je me présente. Mohamed Bouzid, président de l'Union des étudiants algériens de France à Viltanos, Paris 13. Donc ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que il y a certaines personnes qui voulaient m'acheter. Les gens du consulat qui voulaient acheter Mohamed Bouzid, Miss Bergaz. Mohamed Bouzid, c'est pas un vendu, d'accord ? Mohamed Bouzid, il nous aide. Je gagne d'un mail pour me dire il faut coller les affiches au niveau de l'université pour envoyer des étudiants afin de préparer leur carte électorale ou je sais pas quoi. Mais Mohamed Bouzid, il y a un message. Moi, je m'en fous de votre système de merde. C'est mahouli, hein ? D'accord ? Même si je galère en France ou je sais pas quoi et tout, Mohamed Sarnara. Donc, à Sagui, bon, je vais vous donner le texte. Il y a assez, bon, c'est pas assez longtemps, mais il y a à peu près 2 semaines, 3 semaines et tout. Je vais vous dire, en fait, on est la première université qui faisait des rassemblements entre le système algérien. C'est à Viltanos Université Paris 13. Donc, à Sagui, on dit, même si tu as un petit peu. Donc, les Algériens sont-ils en train de réussir les manifestations les plus pacifiques au monde ? La réponse est oui. Donc, parlons-nous de simples manifestations, excusez-moi, ou simplement d'une révolution. N'ayons pas peur, les Algériens ne répondent en toute sécurité et affirment qu'ils sont en train de mener une révolution, et l'ont nommée la révolution du sourire. Et le slogan phare depuis quelques semaines, c'est Silmia, qui veut dire tout simplement pacifique. Tout cela a commencé le 16 février 2019 dans la ville historique de Kerata, le mai 45, avec des milliers de citoyens dans les rues. Une semaine plus tard, donc le 22 février 2019, c'est toute l'Algérie qui lui emboîte le camp répondant par des millions de manifestants sur le dos. Système dégage, changement radical et pacifique. Simplement, il y a un mot.